Je m'appelle Branko. La première fois que j'ai quitté la Serbie, c'était au début des années 90. Heureusement, je ne peignais pas de murs et ne portais pas des choses à travers Londres, comme certains de mes amis le faisaient à ce moment-là. J'ai étudié et obtenu mon diplôme à la LSE, London School of Economy. Je suis parti me spécialiser à Anvers, par pur hasard, et après cela à Cardiff, pour faire mon doctorat. Je suis rentré à Belgrade, au milieu de l'année 2000, par nostalgie et parce que j'avais envie de revenir. Deux raisons bien suffisantes pour moi. Avec les études, viennent de nouvelles amitiés avec d'autres étudiants. C'est comme ça que j'ai rencontré Michel, Sofia, Andres et Inge, mes amis, mes camarades d'école et de vrais gloutons. Nous nous rencontrons une fois par an, à Londres, puis à Anvers et Cardiff, pour se voir les uns les autres, parler et pour bien manger. Cette année, je les ai convaincus de venir à Belgrade pour un repas chez moi. J'espère leur en mettre plein les yeux. Tout d'abord, miel de Homoy, eau de vie de coin, fraîche et slatko, une confiture spéciale de framboise. Ensuite, Hildopita, une tourte au blé noir, kaimak et un vieux fromage de Sianitsa. Mes amis n'ont aucune idée de ce qu'est le kaimak. Après ça, la viande de porc avec de la turshia, aivar et du prebranat. Bayadera veut dire une couche de viande maigre, une couche de peau, sans os, tout coupé en cubes comme le chocolat belge. Et ensuite, un vin rouge ou un vin blanc frais de Jupa. C'est comme ça que je vais leur en mettre plein les yeux. Laissons-leur se rappeler de la Serbie pour sa cuisine exceptionnelle.